comme vous l'aviez constaté lors de la vidéo précédente, nous étions en train de démontrer comment traiter une sinus de la littérature. Nous avions aussi réussi à expliquer les différentes fonctions. Et si les souvenirs sont bons, nous étions dans l'exercice d'application. Alors, pour recommencer à zéro, attirer votre attention, on avait clairement dit que si vous avez consulté la première réaction de l'élève et d'essayer de comprendre est-ce que le sujet est analytique ou bien il est dialectique. Justement, à la fin de la vidéo précédente, nous avons réussi à démontrer qu'un sujet analytique, c'est un sujet à plusieurs points de vue. Un sujet dialectique, c'est un sujet à plusieurs points de vue. Maintenant, pour constater lequel des sujets s'agit-il, François Moyen écrit. Écrire, c'est se livrer. C'est exactement l'écrivain lui-même que le lecteur cherche dans son œuvre. Là, on sait que c'est un seul point de vue défendu par François Moyen. Maintenant, nous avons affaire à un sujet analytique. Deuxième réaction, est-ce que c'est la littérature générale? Maintenant, si on s'arrête au niveau du sujet, est-ce qu'il y a des mots qui nous renvoient vers la littérature générale? Lesquels? Nous avons le verbe écrit, nous avons l'écrivain, nous avons aussi le mot ouvre. Autrement dit, si vous avez l'écriture par exemple, si vous avez l'artiste, si vous avez l'écrivain, si vous avez œuvre, alors vous avez constaté qu'au niveau de la consigne, on n'a évoqué ni la poésie, ni le roman, ni le théâtre. Autrement dit, la consigne elle est fermée, il faut travailler avec la littérature en général. Alors là, on a cherché les mots, tous les mots font allusion à la littérature en général. Alors maintenant, avant de confirmer, attention, lisez la consigne. On a clairement dit, dans une analyse structurée, avec des exemples tirés de la littérature. Ce n'est même pas la peine de continuer, parce que la littérature est précisée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour continuer? Vous montrez d'abord comment l'écrivain, la littérature est confirmée. Comme j'ai dit tantôt, l'écrivain peut être un poète, il peut être un romancier, il peut être un dramaturge. Il continue, vous démontrez que la littérature. Alors, ça se confirme. Et enfin, vous tirez sa fonction de base. Dans ce cas, l'élève, dans les dispositions, de comprendre que le thème général, c'est la littérature. Le roman est le bienvenu, la poésie est le bienvenu, le texte est le bienvenu, le conte est le bienvenu, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Attention, ne traitez pas le sujet en empruntant la voie de la poésie du début jusqu'à la fin. Ne faites pas ça avec le roman seulement, ne faites pas ça avec le texte. Minimum, le correcteur a besoin de constater la présence de deux genres de lettres. La manière dont l'élève l'a abordé, ça m'a l'air. Maintenant, il s'agit maintenant d'analyser le sujet dans le but de comprendre quelle est l'idée exprimée, quelle est l'idée défendue, ou bien quelles sont les idées défendues par le prétendant, ou bien par le sujet. Alors là, moi j'ai le but de le dire, en sortant le sens du sujet, plus connu sous le nom de la troisième partie de l'introduction, de l'introduction, plus connu sous le nom de la reformulation, l'élève n'a pas besoin de sortir mot par mot, autrement souligner les mots clés. L'élève a juste besoin de changer le mot, donc il a ce qu'on appelle le synonyme, ou bien le sens. Les élèves qui font la terminale savent de quoi je parle. C'est les généralistes, il y a ce qu'on appelle la technique des champs magnétiques. Plusieurs expressions, un seul sens. Regardez comment je sors le sens du sujet. Quand je dis écrire, on ne sait pas, écrire par exemple, on laisse comme ça. Il dit c'est se libérer, c'est se libérer. Écrire, c'est se libérer. C'est essentiellement l'auteur lui-même que le lectorat cherche dans son œuvre. Vous avez vu le sens? J'ai dit, écrire, c'est se libérer. C'est essentiellement l'auteur lui-même que le lectorat cherche dans son œuvre. Et vous avez le sens de la reformulation. Maintenant, si, il faut sortir la problématique. La problématique veut tout simplement dire confirmer la thèse et annoncer les limites de la thèse. Comme la métaphore du terminant. On écoute deux parties. La partie civile est considérée comme la thèse, la défense est considérée par la comme la thèse. Maintenant, il faut comprendre que dans cette problématique, il y a une formule qu'il faut respecter. Quelle est la formule? Mettez sujet plus verbe plus pronom personnel sujet plus vraiment. On va avoir. Uniquement, on peut avoir réellement parmi ces trois mots, vous choisissez un des trois. Maintenant, plus la suite du sujet, et vous fermez un autre interprétation. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, on va appliquer. Mais là, le sujet a une saveur particulière. Nous avons
le verbe c'est, le verbe être, bien entendu. Il y a aussi mon autre c'est, il y a aussi le verbe chercher. Alors dans ce cas, quel est le verbe qui semble être le plus important? Quel est le verbe qui fait allusion au noyau de la phrase? Alors dans ce cas de figure, regardez, c'est ce verbe-là. Alors, maintenant dans ce cas de figure, pour dégager la première, c'est très simple. Alors, les lecteurs cherchent-ils réellement l'écrivain dans son œuvre? Les lecteurs cherchent-ils réellement l'écrivain dans son œuvre? Alors, pour confirmer ce que j'ai dit, regardez bien. Sujet, ce sont les lecteurs. Verbe, c'est le verbe chercher. Pronom personnel, il, parce que ce sont les lecteurs. Vraiment, ou bien uniquement, ou bien réellement. Et vous mettez la suite. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai dit tantôt, les lecteurs cherchent-ils réellement l'écrivain lui-même dans son œuvre? Point d'interrogation. Et là, vous avez la preuve. Maintenant, vous avez constaté une chose. En sortant le thème, en sortant le sens, en problématisant, vous avez constaté que je ne sais pas, j'ai dit vous voulez vous prendre la question. Je l'ai regardé une seule fois en la rapport. Le pourquoi, c'était pour être sûr que le thème général est la littérature. Le pourquoi, je n'ai pas regardé la consigne en sortant le sens de la problématique. Pour la seule et simple raison, j'ai l'habitude de vous le dire. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une consigne fermée au baccalauréat. On peut me dire qu'en pensez-vous? Que vous êtes spécial pour vous? Partagez-vous ce point de vue. Alors, dans ce cas de figure, l'élève est obligé de faire comme ce que j'ai fait, de sortir le grand jeu, sortir le sens dans le but de comprendre l'idée défendue, l'idée exprimée par le sujet. Dans ce cas, l'idée défendue devient ce qu'on appelle la thèse. Maintenant, les lignes deviennent la thèse. Mais on n'arrive pas à voir là. Aujourd'hui, nous avons affaire à une consigne guidée. Donc, vous avez 90% des cas de rencontrer au baccalauréat. Prions que ce soit ça, parce que moi, je m'intéresse que c'est le plus simple. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a eu? Dans une analyse structurée, avec des exemples tirés de la littérature, vous montrez d'abord comment l'écrivain est dans son monde. Ensuite, vous démontrez que la littérature doit s'inspirer de la raison et enfin vous direz sa fonction de base. Alors, c'est très simple. Pour sortir d'abord la thèse, il faut chercher le lien logique. D'abord, et toujours la thèse. Ça peut être d'une part, ça peut être commencé. Maintenant, vous prenez, vous cherchez le deuxième lien logique. Nous avons ensuite, ça peut être d'autre part, ça peut être poursuivi, c'est toujours la nuance. Enfin, ça va être terminé. C'est souvent la nuance ou bien la synthèse. Qu'est-ce qu'il y a de? Qu'est-ce qu'une synthèse? L'avenir nous le dira tout de suite. Maintenant, nous allons maintenant entrer dans le fond. Parce que ce que j'ai fait là, c'est formellement parlant. Du point de vue de la forme, nous savons que dans le développement, qui n'a rien à voir, bien entendu, avec l'introduction, ni ce qu'on appelle la conclusion, nous sommes sûrs d'une chose. Quelle est la chose dont nous sommes sûrs? Nous savons effectivement, nous avons trois parties nous attendent. Maintenant, on entre dans le fond, ça arrive, on explique les mots. Qu'est-ce qu'il dit? Vous montrez d'abord comment l'écrivain est dans son monde. C'est-à-dire, comment l'écrivain est dans sa vie. Quand on dit qu'il est dans son monde, c'est la vie. Comment l'écrivain est dans sa vie. Là, nous savons qu'on a la thèse, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la fonction lyrique de la littérature, comme j'ai dit tantôt, c'est lorsque l'écrivain raconte sa propre vie. Ça colle avec sa passion, on dit, écrit c'est ce, livré. Écrit c'est ce, libéré. Écrit c'est sortir ce qu'on a dans le cœur. C'est essentiellement l'écrivain lui-même que les lecteurs cherchent dans son œuvre. Forcément, ça arrive avec ce qu'on appelle être la lyrique. Donc la thèse, l'auteur est formé, c'est pour laquelle la littérature est personnelle. Maintenant, les contenus. Ensuite, vous démontrez que la littérature doit s'inspirer de réelles raisons. Si on dit que la doit s'inspirer de réelles raisons, ça arrive de réelles raisons pour moi. La littérature doit refléter les réalités sociales. La littérature doit refléter ce qu'on appelle la vie. Maintenant, si la littérature reflète la vie, qu'est-ce qu'on a comme nuance? Nous avons la fonction engagée. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Vous direz sa fonction de base. J'ai fait exprès en expliquant les fonctions de la littérature, de fermer les yeux sur ce qu'on appelle la fonction de base de la littérature. Quelle est la fonction de base de la littérature? C'est la littérature esthétique. Qu'est-ce qu'une littérature esthétique? C'est la littérature qui fait allusion à la beauté. C'est également la fonction de base de la poésie. Ça veut dire beau. Dans ce cas, engagé, la nuance de, vous avez la littérature comme esthétique. Nuance de veut tout simplement dire la fonction qui n'a rien à voir avec la nuance numéro 1, ni ce qu'on appelle la thèse. Maintenant, la complémentarité, c'est la réconciliation entre la thèse et la nuance. Puisque c'est la diapositive esthétique, la fonction de base de la diapositive, nous avons une nuance de. Nous sommes obligés de nous arrêter là au fond de notre discours. Rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention.